They are conscious of the fact that the TB is underdiagnosed in Cameroon. And to close that gap, the government is willing to make molecular testing as an initial testing for TB. So that's why they want to increase the molecular testing platform. And TrueNAT is the platform of choice. That's why they want to start with this number of platforms to test, and they'll see how they will expand. Because even the other platform that they are using, where they are using the method of transporting sample, transportation of sample is a bit challenging. And at times the result get to the people late. So by taking molecular testing closer to the people, it's going to facilitate the diagnostic, we're going to reduce the diagnostic gap, and it's also going to increase the level of treatment. So that's what they are trying to do. For this year, Bobby, they are going to acquire 30 TrueNAT devices. This year? They have already placed this year. Yes, this year. They have already placed a command for 20, and the second command for another project is going to come for 10. They are going to increase the molecular testing platform yearly, so that by 2030, even if they cannot attend 100%, they can be closer to 100%. So that's why the government now has decided that every year they are going to increase the number of molecular testing platform. So welcome to NTB Dialogues. So we have amongst us Dr. Tolu Daniel Alphonse Desire. He's the head of pharmacy and laboratory section at the National Tuberculosis Control Program, Ministry of Public Health in Cameroon, and also joined by his colleagues, Mr. Dauda and others. So welcome everyone. Also, how do you find TB in Cameroon? How much is microscopy? How much is molecular test and linkage to treatment? Thank you. Okay. Thank you for your attention. How much microscopy? You have 315 Center of Diagnostic and Treatment for Tuberculosis. Dans every CDT, dans Center and Treatment and Diagnostic, you have one microscopy. Dans in Cameroon, you have 350 microscopy. Every year, dans chaque année, on essaie de renouveler les microscopes qui sont défectueux. Okay, Bobby. Yes. In Cameroon, they have 350 microscopy centers. Okay. Tuberculosis. Okay, thank you. Yeah. Okay. But, we doctor continue. Pour les experts, we have 68 machines for experts and 51 machines of TB lamp. You have seen my diapositive? Yes. So expert, 68 machine and TB lamp, 51. Pour cette année, on va augmenter notre plateforme avec les appareils de diagnostic moléculaire tels que le TrueNAT. On attend acheter 20 TrueNAT. On a même déjà passé la commande. Et dans le projet RSS, on doit acheter 10, donc pour un total de 30 appareils TrueNAT qu'on va acheter au courant de cette année. Mais là, on ne l'a pas mis dans cette diapositive. OK. So, for this year, Bobby, they are going to acquire 30 TrueNAT devices. This year? They have already placed this year. Yes, this year. They have already placed a command for 20, and the second command for another project is going to come
10. Oui, en fait, je sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que, en fait, c'était un peu ça en titre d'introduction. On a des CDT, chaque CDT dispose au moins d'un appareil de microscopie pour le diagnostic par microscopie. On a 68 appareils ISPECT qui font la tuberculose, 51 TB-LAM. Et comme on a aussi dit, on compte acheter 30 machines tournantes. Donc, maintenant, par rapport aux données, à la complétude des données, voilà un peu la situation du Cameroun avec les régions où il y a un peu à les renseigner à travers le DHIS2. Bon, je ne sais pas s'il y a une autre question particulière parce que comme il n'y avait pas un ordre de jour, donc je ne sais pas s'il peut poser des questions, on peut les répondre. Hello, Bobby. Yes, yeah, thanks. Yes, that's the situation of Cameroon when it comes to diagnosis. So if you have particular questions, you can ask and they're going to respond. Yes, so my question is that Cameroon finds about so estimated number of cases is about 44,000 as per the WHO report in Cameroon, 44,000 in 1 year, and they diagnose about 25,000, right? So we are missing about 20,000 cases. So how can we reach the unreached? So will TrueNAT help, or what other approaches are going to help? So that because it is important to diagnose every case now. So that's what. Okay, Doc. What? Sa question, c'est que au Cameroun, par rapport à, aux données de l'OMS, il y a encore 4 000 Les cas de tuberculoses. tuberculose, oui. Et en termes de diagnostic, pour le moment, Cameroun fait le diagnostic de moins de 50%. Oui. Oui, justement, Oui, ce sont les ça veut dire données OMS. il y a une Une cinquante sous-diagnostic. on n'arrive pas à diagnostiquer. C'est ça. Oui, Non, donc en il fait, demande on qu'est-ce qu'on veut mettre, on va mettre sur place pour atteindre ce cas. Oui, c'est une bonne question. Ce qu'on entend mettre sur PC, c'est déjà augmenter l'offre de diagnostic en achetant d'autres appareils de diagnostic comme on est en train de le faire et permettre à ce que le diagnostic moléculaire soit, comment est-ce qu'on dit ça, soit pris comme diagnostic initial. Parce qu'il faut le dire, on continue à diagnostiquer à travers les microscopies qui est déjà moins sensible et tout. C'est cela que, au fil des années, les outils moléculaires, on est en train de les faire entrer au pays, tel que je pense qu'on est en train de montrer notre volonté pour, en adoptant cette nouvelle plateforme, le TrueNAT. On est conscient du sous-diagnostic. On a aussi le transfert des échantillons qui reste un peu faible. Parce qu'il faut le dire, pour que les échantillons passent des kilomètres avant d'être diagnostiqués, ça prend aussi Un du temps. challenge. Donc, on veut rapprocher les appareils aux populations pour que le diagnostic soit non seulement rapide et que le rendu des résultats soit aussi connu. Et on a aussi la sensibilisation de la population, parce qu'il y a une frange de la population qui arrive un peu tardivement au niveau des formations sanitaires. Donc, il va falloir que cette population-là soit vraiment sensibilisée. Donc, le fait d'augmenter déjà les appareils, les plateformes, je pense que ça démontre un peu notre volonté de diminuer un peu ce taux-là, ce diagnostic-là. OK. He said, yes, they are conscious of the fact that the TB is underdiagnosed in Cameroon. And to close that gap, the government is willing to make
molecular testing as the initial testing for TB. So that's why they want to increase the molecular testing platform, and TrueNAT is the platform of choice. That's why they want to start with this number of platform to test, and they'll see how they will expand. Because even the other platform that they are using, where they are using the method of transporting a sample, transportation of sample is a bit challenging. And at times the result get to the people late. So by taking molecular testing closer to the people, it's going to facilitate the diagnostic, we're going to reduce the diagnostic gap, and it's also going to increase the level of treatment. So that's what they are trying to do. And they are also trying to sensitize the population so that they can go to those centers and get diagnosed. Thank you, over. Okay, thank you so much. Thank you, Daniel. Okay, can I ask one last question, please? Because he is very busy and he needs to go somewhere, right? So, yes. No problem. Yes, okay. So just quick question is that WHO had called upon all countries to ensure 100% upfront molecular test use. Because by when Cameroon will be able to achieve this? Bon, ils disent que l'OMS a demandé que tous les pays doivent commencer à utiliser le test moléculaire comme le premier test à 100%. Bon, pour le Cameroun, c'est dans quelle projection qu'on estime qu'on va atteindre 100% des tests moléculaires comme le test initial? Oui, en fait, dans nos guides, on l'a déjà précisé, mais il faut reconnaître un problème de moyens aussi. Parce que si on prend par exemple le TB-Lam, le ISPET, un test par patient, un test nous revient pratiquement à 13 dollars. Et le faire pour tout le monde revient à prendre une grande proportion en termes de ressources financières. Donc, c'est pour cela qu'au Cameroun, bien que le souhait est que le diagnostic moléculaire soit pris comme le diagnostic initial, c'est toujours réservé pour une certaine, une certaine partie des malades, tels que les VIH, les cas de retraitement, les enfants et les réfugiés. Donc, okay. Parce qu'il y a un réel problème de budget, c'est pour ça que la microscopie reste comme l'appareil qui fait le suivi. Mais sinon, d'ici 2030, avec selon notre plan stratégique qu'on vient d'écrire, on attend quitter de 40% des diagnostics qui sont faits par le test moléculaire. On attend quitter de 30 à 40% pour se rapprocher à un diagnostic typiquement moléculaire pour tous les cas suspects. Donc, d'ici 2030. Oui. Mais okay. Cela passe aussi, c'est fonction des moyens. Mais le fait que chaque année, on accroît nos plateformes moléculaires, je pense que ça dénote un peu cette volonté-là. Il y a aussi le transfert des échantillons où on a un guide pour essayer de faire en sorte que les échantillons quittent des zones où il n'y a pas l'appareil moléculaire, que ces échantillons-là arrivent dans les sites où on peut faire des tests à travers un appareil moléculaire. Donc voilà un peu les challenges, mais dès 2030, on pense que même si on n'est pas à 100%, on va se rapprocher vraiment à 100%. Mais c'est question de moyens, okay. Parce que dire que tous les cas suspects vont faire le test moléculaire, financièrement, le pays n'est pas encore totalement prêt. Yes, he said that concerning this issue, the first challenge is
financial issue, because it is the will of the government to put molecular testing in every testing center. But now it depends on the availability of funds, because if you take example experts, it is costing them about $13 to diagnose one patient, and so they will need money. However, they are going to increase the molecular testing platform yearly, so that by 2030, even if they cannot attend 100%, they can be close to 100%. So that's why the government now has decided that every year they are going to increase the number of molecular testing platform. Okay, thank you, thank you, thank you so much. This is really very important for me to learn. And let us hope that prices come down and countries, including Cameroon, are able to do way more than they want to on scaling up diagnostics. Any final comments from Dr. Lotu or anyone before we close? The question? Yes, sir. We are towards the end. Any final thoughts to end the recommandation? Bon, la dernière recommandation, la dernière suggestion, c'est... Bon, on n'a pas encore commencé avec les TrueNAT, donc on espère tout simplement, je pense qu'on est en train de travailler afin que le pays profite aussi de cette plateforme de diagnostic. Donc, nous, on souhaite que le laboratoire Moldio nous accompagne à partir du moment où les appareils seront là dans la formation et surtout s'il y a des problèmes de maintenance, parce que le réel souci qu'on a avec les appareils ISPET, c'est la maintenance de ces appareils. Donc, on suggère que aussitôt d'ici au courant du mois de juillet, où les premières machines tournantes seront au Cameroun, on va solliciter vraiment le soutien de Moldio pour que l'implémentation soit vraiment réelle et qu'on ait certaines facilités. OK. Bobby? Yes, please. Yeah. He said actually they are working hard to make sure that the Cameroonian population also enjoy the advantages of more bio solution, the TrueNAT. So they are expecting that by the month of July, the first consignment of TrueNAT will be in Cameroon. And when that happens, they want more bio to assist them, to accompany them in terms of training and maintenance. Because one of the most difficulties that they had with the expert devices was the issue of maintenance. So they will want the assistance of mobile so that they don't go through that difficulty again. Thanks, over. Yeah, and thank you so much. Thank you, Daniel. Thank you, Dr. Lotu. It was very informative. And let us hope with efforts and leaders like you, Dr. Lotu, Dauda, Daniel, on the ground in Cameroon, Cameroon is able to find all TB, treat all TB, and prevent all TB. It's an end TB by 2030. All the best. Thank you, sir. Thank you. Special thanks, Dr. Lotu. I know you are very, very busy, but you found time for us. Thank you. Thank you again. Thank you, Daniel, okay, brother, for translating. Thank you. D'accord. Merci. Goodbye. Okay. Okay. Bye-bye.